Alors, toi aussi, tu es à la recherche d'un cadeau sympa à offrir pour les fêtes de fin d'année, ou alors pour te l'offrir à toi-même, il n'y a pas de souci là-dessus, eh bien, tu es au bon endroit. Salut, c'est Alex, et dans cette vidéo, nous allons explorer deux options en termes de petites enceintes portables qui pourraient parfaitement convenir comme cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et d'un côté, nous aurons une petite enceinte pas chère du tout, et donc qui ne fera pas de trou dans ton portefeuille, puisqu'il s'agit de la Silvercrest Sound Mini de chez Lidl, et de l'autre côté, la bien connue JBL Go 3. Alors à ton avis, laquelle sera la star de ce comparatif? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Alors avant de passer à l'étape de déballage et de présentation de la Silvercrest Sound Mini, et aussi du comparatif audio face à la JBL Go 3, eh bien sache que j'ai déjà réalisé une vidéo concernant la JBL Go 3 et tu retrouveras cette vidéo juste là ou en lien en description de cette vidéo. Et sans plus attendre, on va donc passer à l'étape de déballage de la Silvercrest Sound Mini. Allez, c'est parti! Alors, au niveau de l'emballage, on y voit du coup sur la boîte des images de l'enceinte. Sur la face avant, on y voit quelques indications techniques et à l'arrière, la quasi-totalité des caractéristiques. Allez, on va ouvrir tout ça. Et à l'intérieur, on va donc y retrouver les notices d'utilisation, un câble jack 3,5 mm, le câble de recharge USB vers USB-C qui fait 60 cm de long, et enfin l'enceinte Sound Mini. Et comme on peut voir au premier abord, franchement la qualité est pas si mal que ça. Voilà, comme on a pu le voir lors du déballage, bien on voit que cette enceinte Silvercrest Sound Mini, elle est vraiment simpliste. On est sur une finition qui est plutôt correcte, avec aussi bien sur la face avant que sur la face arrière une grille tressée. D'ailleurs, je me suis même trompé au départ, puisqu'effectivement, j'ai confondu la face avant avec la face arrière. Et du coup, la première fois que j'ai allumé cette enceinte, bah, j'avais mis cette face-là où il n'y a rien du tout face à moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il n'y avait pas de son et que le son il venait de l'autre côté, en fait, tout simplement, du côté où il y a donc cette barre en plastique. Moi, je pensais que ça, c'était vraiment la face arrière, mais pas du tout, en fait. D'ailleurs, petite dédicace à tous ceux qui ont déjà peut-être cette enceinte avec eux et à qui il est arrivé la même chose. Et surtout, petite dédicace à une personne qui va se reconnaître en particulier, qui s'est donc amusé à faire tourner son enceinte en posant cette petite barre en plastique face à sa table et à la faire tourner comme ça. Je sais que tu vas te reconnaître. Donc. Revenons à nos moutons. Concernant les caractéristiques de cette Sound Mini. Alors cette enceinte fait donc 12,4 cm de long par 7,5 cm de haut et 4,6 cm de profondeur. Le tout pour un poids d'environ 330 grammes. Elle est indiquée comme ayant un indice de protection IPX7, ce qui fera qu'elle résistera parfaitement aux projections d'eau. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur le côté de cette enceinte, on va y retrouver donc une petite sangle Dragon de transport et qui permettra de l'accrocher à peu près où vous voulez. On y retrouve également le petit capot en caoutchouc derrière lequel va se situer la prise USB-C de recharge et également une prise auxiliaire d'entrée en jack 3,5 mm. D'ailleurs, concernant la connectivité de cette enceinte, il sera donc possible de la connecter soit en filaire du coup avec le câble jack 3,5 mm qui est fourni, ou alors de passer par le Bluetooth puisqu'elle est équipée du Bluetooth en version 5.3. Au niveau utilisation, on va donc y retrouver sur la partie supérieure les différents boutons et voyants, et du coup au niveau des boutons on va y retrouver le bouton marche arrêt, le bouton d'appairage Bluetooth, mais qui va également servir à interconnecter une deuxième enceinte du même type afin d'avoir un mode stéréo, et dans la notice c'est indiqué que ça s'appelle le mode TWS. On va y retrouver également le bouton play pause, les boutons plus et moins pour le volume et qui vont également servir au changement de piste. Concernant du coup la batterie et l'autonomie de celle-ci, la batterie qui est intégrée dedans a une capacité de 1800 mAh et il faudra compter pas moins de 3 heures pour la recharger avec un chargeur de 1 ampère. Alors au niveau de la notice, il est indiqué qu'elle aurait une autonomie de 5 heures avec une utilisation à volume moyen. Personnellement, moi, je n'ai pas réussi à dépasser les 4 heures en l'utilisant avec le volume moyen justement. Après, pour ce qui est du volume, on va en parler juste après. Également au niveau de la charge de la batterie, si vous voulez connaître le niveau de batterie de votre enceinte, eh bien vous allez pouvoir le connaître si vous êtes connecté en Bluetooth à votre enceinte, puisque vous aurez en haut de votre smartphone un petit pictogramme qui va vous indiquer du coup quel est le niveau de la batterie. Concernant la partie audio de cette enceinte, eh bien elle est équipée d'un haut-parleur de 6 watts RMS et également d'un radiateur passif. On est donc sur une configuration matérielle qui correspond à ce que l'on retrouve également dans la JBL Go 3, c'est-à-dire un haut-parleur et un radiateur passif. Et d'ailleurs, d'un point de vue caractéristique, on voit parfaitement que la JBL Go 3 elle est moins longue et moins épaisse que la Silvercrest, et également un peu plus légère. Et aussi un point à ne pas négliger, bien évidemment, c'est en termes de prix, puisque là on est sur deux produits
qui ont un prix complètement différent, puisque la Silvercrest, moi je l'ai eu chez Lidl à 8,49€, tandis que la JBL, elle est actuellement à 45€ sur le site de JBL. Donc on est vraiment sur un rapport x5 au niveau du prix, et du coup je pense qu'il est temps de se faire un avis concernant la qualité audio entre cette Silvercrest Sound Mini et la JBL Go 3. Allez, c'est parti. Voilà, comme vous avez pu l'entendre avec ce test audio, on entend parfaitement qu'il y a une différence entre ces deux enceintes. Bon, après, quelque part, fallait bien s'y attendre, puisqu'entre une enceinte à 8€ et une à 45, faut bien qu'il y ait un écart quelque part. D'ailleurs, concernant juste la partie puissance entre ces deux enceintes, pour réaliser les tests que j'ai fait, eh bien, la Silvercrest était réglée à 60% de son volume et la JBL Go 3 était à 40% de son volume afin d'avoir à peu près le même niveau sonore entre les deux. Car si j'avais mis les deux à 50%, eh bien, on aurait parfaitement entendu la JBL plus forte, puisqu'elle a un rendement supérieur. Et puis, il n'y a pas que ça à noter, donc on entend clairement qu'on n'est pas sur la même qualité audio. On entend que la Silvercrest, elle a quand même un son plus étouffé que la JBL, avec des aigus qui sont bien moins clairs, et des basses bien moins présentes et peu percutantes. Dans tous les cas, pour 8€, fallait pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, à ce prix-là, bah moi je trouve que ça fait quand même le taf. Pour conclure en termes de rapport qualité-prix, eh bien sachez que la Silvercrest reste quand même un bon choix pour réaliser un petit cadeau pas très cher, puisqu'à 8€ vous allez vraiment pas vous ruiner. Après, bien évidemment, ne l'offrez pas à quelqu'un qui est exigeant au niveau de la qualité audio. Pareil, si vous voulez l'acheter pour vous, faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, je trouve que ça reste quand même beaucoup, beaucoup mieux que certaines autres enceintes que l'on pourrait retrouver sur des sites chinois tels que AliExpress par exemple, où là pour 8-10€ des fois vous avez vraiment des trucs catastrophiques. Et effectivement, cette Silvercrest Sound Mini, elle n'est pas au niveau de la JBL Go 3. Après, quelque part, fallait bien qu'il y ait un écart entre les deux, il y a quand même un rapport de x5 au niveau du prix, donc la qualité quelque part, ça se paye. Mais bref, à ce prix là la Sound Mini, elle fera quand même le boulot. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo concernant la Silvercrest Sound Mini et le comparatif avec la JBL Go 3. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager également vos avis concernant d'autres petites enceintes pas chères, n'hésitez pas à marquer tout ça dans la zone des commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai réussi à garder le chapeau et les lunettes pendant tout mon tournage. Il fait chaud avec ça, en plus ça gratte. Eh bah, j'y crois pas.